Salut salut c'est Ni pour une nouvelle vidéo de deck tech sur Dominaria dans l'ère Dominaria on est déjà à la dixième, ça va être la 4 ou 5 ou 6 on ne compte plus, on ne, fait, on ne fait plus les comptes des deck tech budget mais une de plus et ce coup-ci je vous amène dans un deck tech budget un tout petit peu différent des autres parce que les premiers étaient agro, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile de faire des deck budget agressifs euh, là ce coup-ci je vous amène du côté mid-range de la force euh, avec un petit ver noir explore euh, le préconstruit enfin les decks préconstruits qui vous sont donnés au début le pool de cartes que vous avez donné au début euh, est assez assez favorable euh, à la construction d'un deck ver noir explore budget assez sympathique et euh, si vous n'aimez pas agro si vous êtes euh, vraiment contre le fait de jouer agro et que vous avez du sang bleu ou noir qui coule dans vos veines alors peut-être que ce ver noir explore vous permettra de commencer euh, dans mtga à quelque chose qui va mieux à votre style de jeu. Je y arriver. Allez, on y, va. on y va pour les explications. Alors, le BG Explore, le Bogos Explore, évidemment, euh, le Black Green Explore, on parle d'Explore simplement parce que ça tire à profit de la capacité de Explore. Bravo, mesdames et messieurs, bravo. Donc, vous avez, euh, grosso modo, des bêtes qui vont faire de l'Explore. Comme le Branch Walker, comme le Squire, comme des trucs comme ça, on y reviendra après. Vous avez des choses qui vont profiter de l'Explore, comme le Wild Gross Walker, comme le Chupacabra. Et après, des bonnes cartes euh, qui vont faire des, des bons 1 pour 1. Et quelques cartes pour générer de la value, telles que. Des sagas ou des mythiques ou des grosses rares évidemment. Alors il faut savoir que toutes les mythiques et les rares que je vais présenter dans ce deck, à l'exception des deux landes rares, comme j'ai l'habitude de mettre des landes rares, quand même dans ces deck, -là, deck tech là pour vous montrer l'importance de, de ces bilans quand même. Euh, toutes les autres rares et mythiques de ce deck, elles sont disponibles dès euh, le moment que vous vous loguez à MTG pour la première fois. C'est dans votre collection de départ. Allez on y va. On commence. Je vais commencer par les créatures qui génèrent de l'explore. Premièrement le Squire. Pour deux, une 1-2 un, qui quand elle arrive en jeu, explore. Très bien. Pour deux, la 2-1 de qui quand elle est en jeu, explore. Alors généralement, on a tendance à préférer euh, le Merfolk au Squire, puisque c'est une meilleure bête contre les decks contrôle. Pour être honnête, quand vous allez jouer contre de l'agressif, le Squire sera 100 fois meilleur. Donc ça dépend vraiment de, de ce que vous voulez battre, euh, quelle, est la meilleure, euh, quelle est la meilleure. Il est entendu que c'est le, le Branchwalker mais c'est pas si évident que ça. Au niveau des explores, on a la Tishana Wayfender qui en gros génère de l'explore. Euh, pour 3, c'est une de deux qui, quand elle arrive en jeu, explore. Autre générateur d'explore, nous avons une rare qui vous est euh, donnée dès le début, euh, qui est Dead Tracker, qui permet à la fois de gérer le cimetière adverse et des choses un petit peu embêtantes dans son cimetière et euh, de faire de l'explore quand vous le voulez. C'est une bonne bête, enfin, tout court. C'est vraiment. Enfin, c'est une bonne bête qui fait de la value, qui est plutôt sympathique, qui fait avancer votre deck. Autre carte qui est très importante, on en a un euh, dès qu'on commence. Si vous aimez bien le côté explore de ce deck, justement, euh, en crafter un deuxième, quasiment dès le début, c'est pas si mal. Après j'avertis tout de même que euh, Explore, l'archétype le, le, Explore en lui-même euh, n'est pas spécialement compétitif sur, euh, à haut niveau, entre guillemets, un petit peu plus loin. Les bêtes qui font de l'explore sont très très jouées, mais toutes les cartes de payoff de l'explore, il euh, n'y en a qu'une seule qui est, qui est jouée euh, en compétitif. Je, je dirai laquelle un petit peu plus tard parce qu'elle est dans le deck, évidemment. Donc ça à vous de voir si vous aimez vraiment la capsule d'explore, vous pouvez le faire en craftant un deuxième rapidement, sinon, patientez. Alors, au niveau des cartes de payoff, c'est-à-dire les cartes qui récompensent ces explores, justement. On y va, on commence donc, avec celle-ci qui est également jouée en construit, qui est euh, le... Wild Gross Walker. Le Wild Walker c'est une 1-3 pour 2 qui dit qu'à chaque fois qu'on explore, on met un compteur de plus en plus insuré et on gagne 3 points de vie. C'est extrêmement fort contre les, contre les decks agressifs. Pour être complètement honnête, euh, un deck agressif qui ne répond pas à cette créature-là, dans les deux premiers tours dans, dans, sur la table, vous allez probablement gagner la partie. Autre carte de payoff, la caravelle, c'est une rare que vous avez une fois dans votre... Euh, dans votre... Euh, de départ, j'y arrivais, et qui dit qu'à chaque fois qu'une créature explore, on met un compteur plus un plus un sur la caravelle, on peut la crew, c'est à dire qu'on peut euh, lui mettre un équipage à deux, c'est à dire qu'en gros on peut engager une créature qui a deux de force, ou plusieurs créatures dont le total fait deux de force, pour rendre euh, ce véhicule bah, actif, c'est à dire qu'en gros ça va se transformer en une créature. Voilà. Autre carte de payoff assez sympathique, le chupacabra. L'autre, je ne suis pas cabra, euh, son frère est plus connu et plus redouté. Celui-ci, euh, quand vous allez avoir un Pass of Discovery sur la table, que, qui vient après là, euh, que j'ai présenté, et ou un Dead Eye Tracker sur la table, euh, il fera beaucoup moins rigoler les gens en face de vous. Euh, c'est une bête dont on ne se méfie pas spécialement, mais qui peut rapidement prendre des parties si tout se passe bien. Alors, il faut que les choses se passent bien, je ne vais pas vous mentir, c'est pour ça qu'il n'y en a que deux et pas quatre. Euh, mais quand ça se passe bien, ça enfonce le clou, on va dire. Autre carte de payoff, et eh ben il n'y en a pas vraiment. Ensuite, pour accompagner tout ça, on va euh, jouer de la value. Euh, je, je vais te présenter quand même Pass of Discovery parce que j'ai dit d'en crafter plus, mais je n'ai pas dit ce que ça faisait. Donc Pass of Discovery est un enchantement qui coûte 4. Bravo, vous savez dire. Et qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, elle explore. Alors c'est assez fantastique parce que ça veut dire que n'importe quelle créature explore finalement. Et fait proc bah, les, les, les euh, gross walker ainsi que les... Lurking Chupacabra. Donc en fait, ces six créatures-là, qui sont un petit peu le, tout le payoff de ce deck, sont activées, et la Caravelle d'ailleurs, sont activées euh, automatiquement par chaque créature à partir du moment où vous avez un pass of Discovery sur la table. Évidemment, si vous avez deux passes of Discovery sur la table, elles explorent deux fois. Bah, elles n'étaient pas sûres la première fois. Donc elles y retournent. Au niveau des bonnes cartes euh, qui, euh, qui vont avec tout ça, on va retrouver la batterie de removal avec trois Moments of Craving, Très très bon contre agro. Vous pouvez jouer des cast down également. Euh, pour être honnête, c'est un deck qui va vraiment punir aggro, donc autant vraiment le punir jusqu'au bout en jouant Moment of Craving. Mais c'est vous qui voyez qu'Azlan est un très bon choix également. River Ambush pourra mettre un petit peu d'exil, parce qu'on va mettre des choses au cimetière, sur si on peut en exiler quelques-unes pour éviter qu'elles reviennent, c'est pas trop mal. Ça complète également un petit peu la curve à 3 qui est, euh, qui est assez faible si on n'est pas le River Ambush, donc c'est plus une question de, de comment dire, de rendre le deck plus agréable à jouer que d'efficacité pure pour la carte. C'est une bonne carte sans plus, vraiment sans plus. Euh, en grosse grosse carte, le vizir de ménagerie. Alors, vizir de ménagerie, c'est une mythique que vous avez dès le début, euh, qui est très sympathique dans ce deck parce qu'à partir du moment où vous avez pas of Discovery et que vous avez euh, vizir sur la table, ça peut aller très très vite. Vous pouvez jouer des bêtes encore et encore et encore, et encore vous avez compris. <laughs> en bonne carte pour accompagner ça, le fameux, l'unique, le détesté et aimé Chupacabra. Le vrai Chupacabra. Donc, pour 4, une 2-2 qui, quand elle est en jeu, détruit une créature qu'un adversaire. Contrôle, alors c'est le fier descendant des Nekratal. Un petit peu moins fort que les Nekratal tout de même. Euh, c'est une bonne bête. C'est juste une excellente simbête qui est jouable dans plein d'autres decks compétitifs. Également euh, du côté midrange de la force avec du noir dedans. Voilà. Et enfin, pour compléter le côté good stuff, nous avons toute la fin de curve qui est un petit peu le côté si jamais vous arrivez à stabiliser. Euh, la, la table, vous allez gagner grâce à ces cartes là. donc je, dans, le, dans le removal, j'ai oublié de parler de Final Reward pour 5, c'est Exile Target créature Donc, ça c'est le, le downgrade direct d'une autre carte qui est très importante dans les techs qui s'appelle Braskas Contempt. Alors, Braskas Contempt est 3 fois supérieur à Final Reward, mais aussi 20 fois plus cher puisqu'elle est rare et qu'on est dans un deck budget. Euh, au niveau des cartes de PA dont je parlais à 5, il y a la saga noire dont je suis assez fan. Euh, beaucoup, beaucoup de value avec cette saga. Ça va vous permettre aussi de jouer avec des sagas, les Unco. Euh, juste exceptionnel elle peut vous faire gagner tout seul si vous la placez bien vraiment euh, c'est assez jouissif de voler le TFR adverse et de, jouer, de gagner avec le TFR adverse ou euh, de voler le guidon adverse pour empêcher votre adversaire de, de, de vous battre avec euh, une carte comme Approche par exemple oui c'est de par d'expérience, c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé, oui oui Thundershot Dryad qui est une carte qui peut gagner absolument toute seule si elle n'est pas euh, gérée dans les deux premiers tours où elle est placée euh, Why not En fait, vous allez faire beaucoup de 1 pour 1 dans ce deck-là. Si jamais votre adversaire euh, est à court de solutions pour vos petites bêtes et que la arrive à passer, eh ben, vous allez prendre la partie tout seul avec ça. Quoi. Ensuite, Tedzimok. Tedzimok, la grosse bête, pareil, c'est une rare qui est présente dans les... Dans la collection de départ, qui est une 6/6/6 6 6 touch et qui permet en gros de faire un rase de bord si vous payez un point de mana noir de temps en temps entre vos tours. Au niveau des landes, à noter, j'ai intégré trois déserts donc en plus des landes des bicolores quand même. J'ai intégré trois déserts, un oasis et deux ifnir pour avoir un petit peu tout, un petit peu d'agression si vous en avez besoin et un petit peu de contrôle si vous en avez besoin également au niveau des améliorations possibles alors vous pouvez partir du côté un peu plus noir de la force avec ce que j'ai dit donc bras cas je là vous voyez braska est une carte qui va être extrêmement bien dans ce deck euh, qui peut remplacer allègrement Zimog par exemple ce serait pas forcément votre euh, votre priorité mais brasca est une carte qui, qui va dans d'autres decks que vers noir pur en fait c'est une carte qui est juste très très bonne au niveau des améliorations directes euh, si vous aimez bien le côté Explore, il euh, y a la Jedi Light Ranger qui est rare et qui s'intègre dans énormément de decks autres qu'Explore. Donc, si vous aimez bien la capacité d'Explore, que vous voulez pousser un petit peu ce deck là tout en vous ouvrant des possibilités pour plus tard, Jedi Light Ranger, c'est pas mauvais du tout. Et sinon, au niveau des rares, donc pas sauf soir j'en ai déjà parlé. Vizir, je vous conseille pas d'en crafter un deuxième, même si c'est pas mauvais dans le deck. Braskas euh, Contempt en 1 hein, en amélioration, Jedi Light Ranger en 2, déjà ça paraît pas si mauvais que ça. Et ensuite tout le reste, ça va dépendre complètement de ce que vous voulez jouer après, en fait, vers ce dont, vers quoi vous voulez évoluer. Voilà. Bah ben voilà, c'est à peu près tout. Euh, C'était Ni pour ce petit deck mid-range budget. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis, ciao, bye bye.